Michel Vanet, Jean Franco, c'est le président de l'association et notre prof en plus qui est maître. Qu'il existe des écoles, que ça mettait en pénurie et qu'on est tout à fait disposé à donner notre malgré savoir. Malgré qu'il y ait moins de chevaux. Mais Maréchal Ferrand, c'est une chose. Puis il y a la ferronnerie. Oui. Donc Maréchal Ferrand s'occupe du cheval et du fer aussi. Nous, on ne s'occupe pas du tout des chevaux, c'est que le fer. Parce que ça demande une connaissance spécifique du cheval. Maréchal Ferrand doit pouvoir corriger la démarche. Donc il y a des cours d'anatomie, il faut très bien connaître le cheval, etc. Que moi je ne connais pas du tout. Donc. Et tandis que là, on a la chance par exemple d'avoir le professeur de l'Académie de Bruges. Il y a le professeur de l'Académie d'Anvers qui est là aussi. Il y a nos amis de Courtrai qui sont là. Donc, si vous voulez, la corporation, les forgerons, c'est la plus grande communauté au monde. Parce qu'on peut régulièrement, il y en a, Raph et son copain sont partis, mais par exemple, ils sont allés forger jusqu'en Laponie, en Ukraine. Alors, c'est les arts du feu, ça devient les arts du feu en général. Donc il est de passage, bien vu, il a donné son stage, il a ses œuvres en vente, et voilà quoi. Oui, les échanges, tout ce possible. L'humain revient, c'est bien. Et puis apparemment ça a été donc il y a pas mal de monde. Oui, ça a bien marché. Mais on avait un peu peur parce que le château de Trévis, c'est un endroit confiné, c'est pas un endroit de passage généralement. Donc il fallait amener les gens. Là-bas maintenant, ils vont faire un quatuor ici, ils vont taper à 4 marteaux. Parce que j'avais fait le nombre qui était sur la photo. Bravo! Monsieur, on ne peut pas dire.